aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo, un petit classique, une petite astuce Kama assez simple. Je ne sais pas si vous le saviez, mais en fait, il se trouve que vous pouvez échanger vos parchemins de Drago d'Inde contre des parchemins soit d'XP, soit des parchemins de statistiques. Et dans la plupart des cas, c'est une astuce très intéressante pour l'élevage. En fait, l'élevage qui est très intéressant, vous pouvez notamment, par exemple, faire un élevage de Drago d'Inde prune, un élevage pur, où vous n'aurez du coup que des Drago d'Inde prune que vous pourrez ensuite échanger contre des puissants parchemins d'intelligence. Parchemin d'intelligence que vous vendrez 32 000 Kama. Et si on regarde, là où le puissant parchemin d'intelligence se vend 38 000 Kama actuellement, on va regarder les Drago d'Inde prunes. Voyons voir. Hop. Oh, attendez, on vient. Alors, hop, vous voyez pas? Ah, mais voilà, normalement là, vous allez voir. Vous devriez voir maintenant. Mais attendez, ça semble un petit peu coincé. Voilà, là vous devriez voir normalement. Très bien. Là, le parchemin de la Drago d'Inde prune est à 34 000 Kama. Alors qu'en fait, le parchemin d'intelligence, le puissant, actuellement, revient uniquement à 38 000 Kama. Ce qui fait qu'il y a déjà 4 000 Kama de différence. Donc imaginons, bon là je n'ai pas les Kama sur moi, mais que j'achète des parchemins Drago d'Inde prune en dessous de 38 000 Kama. Je vais donc en 4-6 parler à Garde Montée. Non pas en lui parlant, pardon d'ailleurs, en lui échangeant une monture, et là je mets ma monture et je récupère mon puissant parchemin. Mais il n'y a pas que les Drago d'Inde prunes, parce que si on regarde sur la liste que j'ai tout à l'heure, les Drago d'Inde émeraudes donnent des puissants parchemins de force. Une Drago d'Inde émeraude, aujourd'hui, ça commence dans les 19 000 Kama. Le puissant parchemin de force, il est à 23 000 Kama. On a encore 4 000 Kama de bénéf. Donc, bien sûr, effectivement, faire des élevages de Drago d'Inde, prune et, ou émeraude, c'est quelque chose de très intéressant. Mais pas que. Il faut aussi prendre en compte que ils peuvent être échangés contre des puissants parchemins de force et d'intelligence qui se vendent à très bon prix, qui se vendent très bien. Il faut savoir que ça, c'est une astuce donc qui coûte cher, hein, surtout que ça marche pas tout le temps parce que des fois le prix des Drago d'Inde va augmenter et tout ça, et ou alors vous allez faire votre propre élevage et ce genre de choses. Hein. Mais il faut savoir que les parchemins de caractéristiques, c'est peut-être le seul item du jeu qui se vend en permanence. Ça et les clés du donjon bouffe tout, quoi. À peu de choses près, c'est même ordre d'idée, c'est des choses qui se vendent tout le temps, vous en vendez tous les jours. Vous l'avez bien vu avec les Doppel d'ailleurs, si vous faites effectivement la chasse aux Doppel un peu tous les jours. C'est vraiment quelque chose de très intéressant. C'est vraiment une astuce Kama, je pense, qui peut être très utile. Alors, bien sûr, moi, j'ai conseillé de faire l'élevage. Hein. Surtout que l'élevage, je pouvais le faire en enclos public. J'ai déjà commencé, je vais vous montrer rapidement. Mais personnellement, j'ai déjà commencé. J'ai juste pris deux Drago d'Inde prunes que je vais rendre d'abord matures, montables et tout ça. Je vais faire oublier, je vais les faire copuler pour qu'elles accouchent, pour avoir des autres Drago d'Inde prunes et ainsi de suite. Et faire un petit élevage de Drago d'Inde prunes pour les vendre en parchemin, parce que c'est ce qui se vend le mieux. Même si il y a beaucoup d'autres Drago d'Inde qui se vendent bien, notamment les caméléons ou des assemblages assez précis, des duos de couleurs assez précis. Et moi, j'aime bien faire des prunes pour les échanger contre des parchemins. Parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus rentable au final, comme vous voyez là, j'ai commencé. Bon, là, elles sont en repos parce qu'elles sont fatiguées. Je préfère éviter qu'elles soient trop fatiguées. Mais en gros, là, celle-là, en fait, comme elle est, comme sa jauge est au milieu, je peux la mettre dans l'enclos pour la maturité. Alors que l'autre, elle a une jauge en amour, donc je vais la mettre. Je vais lui monter son amour, je vais en profiter. Je les avertirai un peu pour qu'elle se repose. Mais voilà, donc en fait, c'est la double astuce. L'astuce de l'élevage et des parchemins qui permet donc en fait d'échanger vos Drago d'Inde contre des parchemins. Là, en fait, c'est l'équivalent de puissant parchemin Intel en fait. C'est de Drago d'Inde. Malheureusement, je n'ai pas de Kama. J'aurais bien voulu vous montrer en fait, acheter les parchemins et tout. Mais je vous avoue que j'ai dépensé énormément. J'ai un shop bien rempli quoi. Alors bon, il y a plein de merde, hein, mais. Bref, et bah tout ça, ça m'a coûté des Kama. Et j'attends que ça se vende. Donc pour l'instant, c'est un peu la dèche. Mais c'est pas grave, hein, ça va revenir, hein, c'est comme tout, hein, c'est la fortune sur Dofus, ça va et ça vient, et ça reviendra. Mais voilà, c'est vraiment une astuce, je pense, qui est tout à fait sympathique, assez simple d'utilisation. C'est pour ça qu'elle ne nécessite pas une grande vidéo, hein, là j'ai un peu papoté. Hein. C'est une petite astuce tranquillou, c'est une des dernières que j'utilisais là récemment. Enfin, j'utilise, en fait, toutes les astuces que je vous donne, je les utilise. Hein. Et récemment, j'ai essayé un peu ça, j'ai vu que ça marchait certains jours, pas d'autres. Et je me suis dit, bah, pourquoi pas la partager, parce qu'au final, c'est rentable. Bien sûr, ça ne marche pas tous les jours, mais les jours où ça fonctionne, c'est rentable. Donc voilà, j'espère que ça vous sera un peu utile, que si vous ne connaissiez pas, hein, si vous ne connaissiez pas ce système d'échange de Drago d'Inde contre des parchemins,
Et si jamais vous n'aviez pas fait attention, la zone en fait c'est au château d'Amakna. Du coup ici. Là. Ici. Qui se situe garde montée. À côté de la milice en fait, vraiment au château d'Amakna, quoi, à la tour du château. Voilà, j'espère que ça vous aura été utile et que vous en profiterez bien pour faire pas mal de kamas.